Nous sommes en 1991. L'Union soviétique a implosé et le temps de la guerre froide s'achève. L'Afrique, elle, s'ouvre à la démocratie. Les traces des régimes militaires et des dictatures de partis uniques sont toujours là. Les guerres civiles et les disputes frontalières n'ont pas disparu non plus. Certaines luttes pour l'indépendance ne sont même pas achevées, comme au Sahara occidental. Mais l'Afrique s'éveille, se transforme. Des artistes et des activistes montent au front pour dénoncer les injustices sociales, la pauvreté, la corruption de la classe dirigeante. Nous partons avec eux à la découverte du continent en suivant les traces d'un amour de coccinelle. Un chemin à contre-courant des pérégrinations habituelles des routards. En effet, il s'agit de suivre la côte ouest africaine plutôt que de traverser le Sahara en ligne droite. Un cabotage terrestre en quelque sorte. Qui plus est, en partant du sud vers le nord, avec une voiture fabriquée en Afrique et non en Europe. Notre amour de coccinelle est un étrange scarabée d'or de couleur jaune. Une Beetle, comme on dit au Nigeria, immatriculée à Port Harcourt et assemblée dans l'usine Volkswagen de Lagos avec des pièces importées du Brésil. Je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 24 ans, j'enseigne le français dans une université au Nigeria, et j'ai très envie d'aller à la découverte d'autres pays en Afrique. Avec un copain, François, nous faisons le pari d'aller jusqu'en France en suivant la côte. Symboliquement, François commence par se raser la tête au Nigeria. Moi, j'irai chez le coiffeur au Maroc. En 1991, on ne voyage pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, pas d'internet, pas de GPS. On traverse le désert à la boussole, au jugé, en suivant les étoiles. 17 000 km de pistes inondées, de tôles ondulées, de sable, de champs de mines et de bitume défoncé avant de casser la boîte de vitesse, de passer la Méditerranée et de rouler sans embrayage jusqu'à Paris. Août, 17 novembre 1991. Il faudra exactement 3 mois pour achever ce périple au cours duquel notre brave coccinelle va traverser 14 pays africains. Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Mauritanie, Sahara occidental, Maroc. Ce film n'était pas fait pour voir le jour. Il n'y avait pas de plan préconçu. Les images ont été prises à la volée, au gré des rencontres. Elles ont été tournées en vidéo 8. À l'époque, ces cassettes étaient quasiment introuvables en Afrique. Elles ont donc été importées et parfois réutilisées quand il n'y avait plus de bandes disponibles. Il n'y a pas d'image du détroit de Gibraltar pour la simple raison que le stock était épuisé après avoir traversé le Sahara. Pour préparer son long voyage, notre coccinelle est spécialement apprêtée dans l'usine Volkswagen de Lagos. Nous ajoutons d'abord un réservoir d'essence supplémentaire dans le coffre. Les roues sont également rehaussées afin de franchir plus facilement les obstacles. Enfin, une plaque de protection est fixée sous le carter du moteur. La Beetle a la réputation d'être une voiture increvable. Elle est faite pour les routes nigérianes, dit le slogan officiel de la marque. Un dicton populaire le confirme. You never kill a beetle. On ne tue jamais une coccinelle. L'Afrique, ce n'est pas que des palmeraies, des jungles tropicales ou des déserts.
Lagos dispose d'une base industrielle et est la capitale économique du pays le plus peuplé du continent. Près de 90 millions d'habitants, selon le recensement de 1991, plus du double 30 ans après. Premier producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria est un géant fragile, une puissance en devenir. Le Ghana était autrefois une colonie britannique, la Gold Coast. À l'indépendance, son économie était florissante. Mais elle s'est effondrée sous les coups de butoir des dictatures militaires qui se sont succédé au pouvoir à Accra. Depuis 1982, le pays est sous la coupe de Jerry Rawlings, un officier tiers-mondiste et récidiviste en matière de putsch. En 1991, le régime est en train de s'ouvrir au multipartisme et à Accra, la capitale, on essaie de s'amuser comme on peut. The whole country, we have only 50 cinemas. Only 50 cinemas, and in the urban areas, in the rural areas, they are in there. America and India and this is here we call Chinese films. They are, I think, the kung fu. Yeah, it was very, very popular here. But in our case, because of what I would say. Do the Ghanaians like to see themselves on the screen? So our films are very, very popular. See, they see Ghanaians, people they can identify with. We don't have censorship. You write your script and you don't. We send a copy to them so that they know what we are doing. But they don't tell us, delete this portion, do this or do that. And we have a censorship board. After finishing, they will look through it, and if there is anything objectionable, they will ask you to take it out. But even here, it isn't anything to do with ideology or something. So there is something obscene, something that it isn't good for people to see, that sort of thing. As a filmmaker, you yourself should have sense of decency. Mm. There should be this self-censorship. Mm-hmm. You see what I mean? Yeah, yeah. You should know the right thing to do. It's a film on the part the African soldier played in the last World War. Yeah. Yeah. Our people fought in India and Burma. So it's a film on them. We shot in the studio here and the exteriors. Yes. We did them at a place about 15, 20 miles from Accra. During the First and Second World Wars, we were a colonial territory, you see. But then we ourselves weren't free. But we had to go and fight for the freedom of our colonial masters. You understand me? So we weren't fighting for ourselves. If anything at all, the outcome of the war wouldn't make any difference to us, because if the Japanese had won, we all the same would become a territory of Japan. You see what I mean? So we fought to defend the independence of our colonial masters. We sacrificed lives. So now we are free and we are trying to develop. We too, we need help. Don't you think it's natural for them to give us aid to develop because of what we helped them to do in the past? En 1991, la Côte d'Ivoire a encore la réputation d'être un îlot de stabilité dans une région en proie à divers troubles. Mais elle est en train d'être gagnée par la guerre civile qui sévit au Libéria voisin. Yeah.
Rien à faire. Nous avons beau essayer de négocier, les seigneurs de guerre du Liberia ne veulent pas nous laisser franchir la frontière. Il nous faut donc contourner l'obstacle par la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Un chemin plein d'embûches en saison des pluies. Une crue a emporté le fragile pont de bois au-dessus du Cavali, fleuve qui prend sa source en Guinée-Conakry et qui délimite la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Liberia. Un camion s'est enterré dans le gué. Les taxibrousses attendent depuis 20 jours la reconstruction du pont. La superstructure a été achevée et coup de chance, l'écartement entre les madriers qui stabilisent le tablier du pont correspond exactement, au centimètre près, à celui des roues de la coccinelle. La voiture passe tout juste, mais il s'agit de ne pas la flanquer à l'eau. Il n'y a pas de route carrossable entre la Sierra Leone et le Liberia. Depuis Freetown, il faut donc poursuivre le voyage en avion pour compléter notre cabotage, cette fois sans la coccinelle. On atterrit en pleine guerre à Monrovia, la capitale. Le Liberia se vante d'avoir été la première république indépendante du continent. Fondée au XIXe siècle par des descendants d'esclaves partis des États-Unis, ce fut d'abord une colonie afro-américaine qui s'est développée sur la base d'un fort clivage entre les élites urbaines de la côte et les paysans de l'arrière-pays. En 1980, les autochtones ont pris leur revanche en mettant à bas un régime de type ségrégationniste. Mais le coup d'état du sergent Samuel Doe a été extrêmement brutal et elle débouche bientôt sur une guerre civile. Venus du pays Nimba, à la frontière de la Côte d'Ivoire, les rebelles sont menés par Charles Taylor et Prince Johnson. En 1990, ils sont sur le point de s'emparer de la capitale, où les soldats de Samuel Doe commettent de terribles massacres, notamment dans l'église luthérienne de Saint Peter. They started a fight in Nima County. They fought there for so many months, from December 89, all the way to June. They entered the city in June. And we heard that the war was coming. Charles Taylor was in Nima County, but we took it to be fun. So after a few months, they keep coming closer to the city, and they went to Bikiano. I left Bikiano on a Saturday. By 12 o'clock, they attacked Bikiano. So I was lucky to be in Monrovia. And after 2 weeks, they took the Robert International Airport. Within another week, they were near Monrovia. And they came into the city with a heavy fighting. And at night, people go in the house by 9, 10 o'clock, and you see the soldiers all in the streets with heavy machines, guns, and they go to houses. I was in a house from Mandingo people. And they came, they took the whole family out of the house. I was in the city, me and my friend, we was hitting in the roof of the house. And they took the whole family out and they carried them until they, we never see them back, they killed them. After a month later, you couldn't find anyone in the streets. And the fighting was very strong, no food. We had to eat all the grass around the city, eating the rats and the dogs, all kinds of things, and then they start to loot the shops. Une force d'interposition panafricaine va intervenir pour essayer de mettre fin au combat. Appelée ECOMOG, elle est dirigée par le Nigeria et placée sous l'égide d'une coalition régionale, la CDAO, ou ECOWAS en anglais. Well, when ECOMO arrived on the sea, which is on the back here, Charles Taylor was about half an hour drive from the Freeport. So he came to attack ECOMO. So it was a lot of shooting and bombing and things. And Taylor did bomb the ECOMO, but it didn't touch the ECOMO. It went into the Freeport and many civilians died there because it was a lot of civilians who was waiting to get aboard the ship to leave the country.
And they fought for almost 2 weeks, and Ekumo drove them back from the city. And Johnson was the one who captured Doe at the Freeport. Doe was trying to escape with a Nigerian ship, and the American called him on the radio and told him that Doe is at the Freeport. And Johnson was there with his boys, and they fired him in the legs, and they took him on the base. Then they cut his ear, they step on his neck, they cut out his 2 ears, cut out all his fingers, his toes. They gave him some kerosene to drink, and his body began to swell up from the kerosene and all this, because it's a poison, you know. And then he died, and he was bleeding so much from his ears and his fingers. So he died from this pain. Nous revenons en avion sur Freetown pour reprendre notre coccinelle et poursuivre notre cabotage par la voie terrestre. À la différence de Monrovia, la capitale de la Sierra Leone est officiellement en paix. Mais plus rien n'y fonctionne. L'unique centrale du pays ne fournit plus l'électricité. Sa dernière turbine en état de marche vient de tomber en panne. Et la Sierra Leone bat un triste record. Son indice de développement humain est le plus mauvais du monde d'après le classement des Nations Unies pour l'année 1991. À Freetown, il n'y a plus du tout d'électricité, d'eau courante et d'essence à la pompe. Il faut s'alimenter au marché noir. I didn't like that Europeans came to my country and divided it. I didn't like that Europeans are now telling me that they have given us independence. And then you know where we are talking about IMF and World Bank, because there was no IMF and World Bank when we were a colony under the British, under the Portuguese, right? So now that we have our own independence and we call it a republic, we still have governments, our own people, who are being controlled, manipulated by the same colonialist system. When you walk along the streets of Freetown, if you've lived long enough here, you'll see it's a ghost town. You are meeting with walking lampshades. The people in my play are being invited to their own wake-keeping and funeral, in which the country has been mortgaged to foreign agencies. And this young man sitting here plays the mask. The foreign agencies, IMF and World Bank, they are the masks. They come and tell us structural whatever. They give us every sort of conditionalities. You see, like we sell our diamond. So when you give away your natural resources, you are giving away your children. That's what the play is all about. So we are mortgaged. We don't have children anymore. Nobody thinks about the future of the children of this country. They think about the IMF loan, the World Bank loan, meeting the conditionalities. They don't think about the schools opening and the uniforms and the books. They create hotels and motels where our sisters go and they are fucked. And then the brothers go and they sweep, make the bed for the tourists. And those boys are dishwashers and things. That's what I'm talking about. Because they have brought us down to the lowest of the low. And I don't think my country should be a country of begging nation, begging people. No. I think we have got too many of our people who are second-class citizens in this country. Over there, that's where the judges are. They are as corrupt as the ministers. I'm not afraid to say it. Down the road, you know, you've got the police. They're equally corrupt. I am corrupt.
Everybody is corrupt in this country. La coccinelle poursuit son voyage à travers la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal pour arriver en Mauritanie. La frontière entre le Sénégal et la Mauritanie est fermée depuis que de sanglants affrontements intercommunautaires ont opposé les deux pays en 1989. Nous devons négocier 3 jours avec l'armée pour que la coccinelle ait l'autorisation de traverser le fleuve Sénégal sur un bac. Ancienne colonie française, la Mauritanie est au point de rencontre entre les mondes noirs et arabes, entre le Sahel et le Sahara. Sous la tente des bédouins du désert, la Khaïma, on boit beaucoup de thé et on cultive l'art de la poésie chantée. Chut, chut, chut. Chut, interview, eh. Khalas, on commence. On y va. Vidéo. Mais la mémoire des pogroms de 1989 est encore vive. Depuis les événements d'avril 1989, je crois que ça s'est calmé. Mm. Espérons que ça se calme pour de bon, parce que là, on voit des Sénégalais maintenant leur shot. Ce qui était impossible en 89, c'était un peu dur parce que les gens se tapaient dessus dans les rues. Mm-hmm. Comme au Sénégal d'ailleurs, il paraît que les gens couraient après les Sénégalais ici pour les gens, les voyous quoi, dans la rue. Couraient après eux pour les rattraper, pour leur casser leur boutique et tout ça, pour leur faire du mal. Par exemple, on prend des tas de gens, on les met sous un bûcher, on les brûle vifs. Mm-hmm. On prend une maman et un père qu'on brûle devant leur fils. On a vraiment entendu des choses horribles. C'est pour ça que les Mauritaniens ont aussitôt réagi quand ils ont entendu ça. Les haratines, comme on les appelle ici, les morts noirs, ils ont réagi parce qu'ils ont entendu que beaucoup de morts au Sénégal ont été massacrés. Ils ont réagi en attaquant les populations sénégalaises ici. Et je ne crois pas que c'est des gens conscients qui ont fait ça, ni avec l'aide du gouvernement, ni avec d'autres gens. Et nous non plus. Ça n'a pas commencé comme ça. C'est des voyous qui ont plutôt attaqué des citoyens innocents. Et je suis contre, je condamne tous ces gens qui ont provoqué ces sangs, qui ont provoqué ces tueries, soit du côté mauritanien ou du côté sénégalais. Un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de réconcilier nos deux populations, les Mauritaniens et les Sénégalais. Et je crois que ce n'est pas par les biais du gouvernement qu'il faut faire ça, c'est surtout faire des concerts, réconcilier les populations avec de la musique. Moi, j'aurais proposé, par exemple, qu'un concert sera fait ici, avec Youssoundour, pour la population mauritanienne qui accueillera un chanteur sénégalais. Ils seront obligés, parce que c'est moi qui les présente, c'est mes fans qui viendront, ils ne vont pas lui jeter des pierres, par exemple. Mm-hmm. Ils vont beaucoup l'accueillir, ils vont dire que c'est la musique, ils vont aimer, et ainsi de suite. Les autres vont venir aussi, ils vont applaudir. Et au Sénégal, je suis sûr que ça marchera aussi. Si Youssoundour m'invite ou si Paris Diamono, et qu'on chantera ensemble, je crois que ça ira mieux. Moi, je suis bien placé parce que je suis mi-africain noir et mi-africain maghrébin. Donc, je suis entre l'Afrique et c'est la Mauritanie. La Mauritanie, voilà. On a un côté africain noir et un côté maghrébin. On est en fait 5 dans la famille. On est une seule famille, on est 5. Il y a Mouna, Ali, Mouftah, ma petite sœur Jemila et moi. Le seul but, c'est de faire écouter la musique mauritanienne. Et cela, ça ne pourra se faire que quand elle sera moderne, vraiment. Oui, à l'extérieur, on ne peut pas faire comprendre la musique tant qu'elle est traditionnelle. Ils ne comprendront jamais. De ce fait, il faut la moderniser pour la lui faire un visa ou des voyages. Kimani, ce soir, Gou Yazidi, ce
Il n'y a pas de route goudronnée vers le Sahara occidental et le Maroc. Nous devons nous élancer à marée basse, le long de la plage, deux roues dans l'eau pour éviter de s'ensabler et pour tenir le cap sur un sol mouillé et dur. Le chemin s'arrête à Noamgar, un village de pêcheurs et une des anciennes étapes de l'aéropostale du temps de Saint-Exupéry. La piste s'enfonce ensuite dans le désert pour contourner le banc d'Arguin où a échoué le fameux radeau de la Méduse. La coccinelle n'a pas quatre roues motrices et c'est dangereux de partir seul. Il faut attendre le passage de Taxi Brousse pour être accompagné. Deux vieilles Land Rover feront l'affaire et sortiront la coccinelle des sables mouvants des marécages au large du banc d'Arguin. Le port de Noidibou est le terminal de la voie ferrée en provenance des mines de fer de Zouérat. Son train est réputé être le plus long du monde. Ses wagons s'alignent sur plus de 2 km. La voie ferrée longe la frontière du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole qui a proclamé son indépendance en 1975, mais qui a aussitôt été occupée par le Maroc. La zone est truffée de mines. L'armée marocaine a construit un mur de sable pour se protéger des attaques de la guérilla indépendantiste du Front Polisario. Bon, alors je résume la situation. Au bout là-bas, les points qu'on voit, ce sont les Marocains. Ils ont nos deux passeports. On est dans un terrain qui appartient à personne, ni à la Mauritanie, ni au Maroc. Juste un peu ici, à quelques kilomètres, il y a la voie ferrée, au point 121. C'est là que les militaires mauritaniens nous ont abandonnés, en nous reprenant l'autorisation qui était émise par l'état-major, nous autorisant à franchir la frontière. On est dans un endroit qui est complètement miné. On vient de s'ensabler, on a passé à peu près une heure à désabler la voiture, à jouer au bac à sable. Et là, on attend que les Marocains décident à nous ramener nos passeports et nous autorisent à rentrer chez eux. Enfin chez eux, disons au Sahara. Ça sera seulement à partir du mois de janvier qu'on saura si c'est chez eux ou chez les Sahraouis. Nous avons paré la coccinelle d'un drapeau blanc pour qu'on ne nous tire pas dessus. Nous attendons que des soldats veuillent bien nous creuser un passage à travers les dunes artificielles qui protègent les positions de l'armée. Les Marocains ont commencé à construire cette barrière de séparation en 1980. Un cessez-le-feu vient d'être proclamé et la coccinelle sera la première voiture à la franchir depuis la Mauritanie. Du goudron, enfin, cela faisait longtemps. Son capot orné d'un os de chameau, la coccinelle entre discrètement à La Hayoun, la capitale du Sahara occidental. Les Nations Unies ont prévu de superviser un référendum d'autodétermination afin de statuer sur le sort du territoire. Pour contrer les velléités indépendantistes des Sahraouis, le gouvernement marocain a fait venir des tribus qui lui sont fidèles et qui ont été installées sous bonne garde dans des tentes toutes neuves.
les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. Pour faire pencher la balance en leur faveur, elles ont également subventionné l'arrivée de Marocains qu'elles ont logés dans des immeubles très récemment construits. Sous divers prétextes, elles parviendront finalement à torpiller la tenue d'un référendum qui ne verra jamais le jour. Le retour au goudron, c'est déjà un avant-goût de l'Europe. Après tant d'épreuves, nous avons cassé la boîte de vitesse et nous roulons désormais sans embrayage. Mais notre brave coccinelle nigériane tient bon et parvient à franchir le Maroc, la Méditerranée et l'Espagne pour aller jusqu'en France. Que reste-t-il de tout ça? Beaucoup de souvenirs et quelques images. La coccinelle, elle, a fini ses jours dans un musée de l'automobile à Loéac, en Bretagne, où elle attend toujours d'être restaurée pour être exposée au public. Pas une bonne idée d'avoir laissé passer le temps, il va s'enterrer, ça y est.